J'ai l'occasion de Kylian Mbappé en tête. On peut peut-être la revoir. La dernière. On est au moins dans une action à la Mbappé, hein, c'est déjà ça. Oui. Là, au moins, sur ce coup-là, il a des jambes. Bon, c'est la première partie du contrat. La deuxième partie n'est pas remplie techniquement. Encore une fois, hein, moi, je pense que beaucoup de choses partent et arrivent à ce terrible constat de notre faiblesse technique. Je ne comprends pas. Ça ne lui arrive jamais. Normalement, il finit tranquillement ou au moins, il cadre. Effectivement, finalement, pendant tout l'Euro, ses derniers gestes partent en tribune. Ben, comme quoi, il y a quelque chose qui tombe pas rond chez lui pendant cet Euro et on en revient à nos deux phares, Mbappé, Griezmann, qui ne se sont pratiquement jamais allumés de l'Euro. Non, l'entrée d'Antoine Griezmann n'a pas été décisive du tout puisqu'il a été au petit trot, à vrai dire, au milieu de terrain. Ah, exactement, exactement. Sans toucher réellement le ballon. Exactement, c'est ça qui m'a fait le plus enrager, c'est que... Alors, quand il rentre, on change un petit peu de schéma. Et puis après, avec un autre changement, quand Deschamps fait entrer Giroud, on change encore de schéma. Finalement, il finit côté droit. Mais le quart d'heure, en gros, où il rentre à peu près dans sa position de numéro 10, 9,5, pas assez disponible, pas assez visible. Il y a un moment où il a un ballon un peu axe gauche, où il envoie une superbe transversale à Dembélé. Derrière, c'est quasiment une occasion. Mais c'est trop peu, c'est trop peu. Et effectivement, même dans ses replacements, un petit côté au petit trot qui fait que ben, il n'y était pas non plus. Voilà, les deux ne sont pas là. Et on n'y arrive pas. Voilà. Sortir en demi-finale d'une grande compétition. Bien sûr. Plus qu'honorable. Le travail a été effectué. Dernier carré. Ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes bien d'accord. Mais. Bah, bien sûr qu'il y a un mais, Philippe. Vous vous faites sortir par l'Espagne et c'est très bien. Maintenant, quand on regarde la qualité de l'effectif de l'équipe de France, j'ai envie de vous dire, il n'y a quand même pas beaucoup de réserves derrière. Parce que si Griezmann n'est pas au rendez-vous, comme pendant 7 euros, ni Mbappé, vous n'avez pas de quoi les remplacer réellement, si ce n'est Barcola qui est entré et qui a montré de l'envie et une capacité à éliminer des joueurs. Mais enfin, derrière, il n'y a pas de créateur au milieu, il n'y a pas de joueur décisif devant. C'est vrai. Barcola, je pense, a marqué énormément de points, oui. Plus que jamais ce soir. Moi, je pense que notre trio d'attaque va être ainsi constitué assez durablement. Mbappé en neuf, Barcola, Dembélé sur les côtés. Je ne dis pas que c'est le paradis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux. Alors, du calme. Le problème, c'est que vous mettez qui derrière? Alors, pas sur le banc, hein, mais les trois derrière pour les soutenir. Parce que vous voyez bien que ce milieu-là, aujourd'hui, il a pris l'eau. Le milieu français n'a pas existé face au milieu espagnol. Déjà, pour finir sur l'attaque, Kolo Muani, malgré son but, ainsi que Thuram, n'auront pas vraiment convaincu non plus. Et Giroud, c'est terminé en équipe de France. Donc, c'est vrai qu'en termes de réservoir, on peut se poser des questions devant. Et vous faites bien de parler du milieu de terrain. Parce que ça, c'est une chose que j'ai dite, franchement, dès le premier match du premier tour concernant les Bleus. Quand on joue, comme ce soir, d'entrée en 4-3-3, je suis désolé, mais les deux milieux relayeurs, que sont Rabiot et Kanté, doivent apporter beaucoup plus offensivement. Et là, les deux, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Ils ont fait un euro plus que correct. Il n'y a pas de souci. Mais offensivement, c'est insuffisant. Pas une projection de leur part. Pas un dépassement de fonction. Pas une passe décisive. Rien, rien. Alors que... En 4-3-3, les 2-8 sont vos pistons du milieu, vos box-to-box. Mais on ne les voit pas dans la box où on aimerait les voir. Les meilleurs ont gagné et ça n'a pas fait un pli. Le football est un sport parfois très très simple. Lorsque vous êtes mieux techniquement, lorsque vous êtes mieux physiquement, lorsque, et Philippe l'a dit très justement, dans l'entrejeu vous êtes battu. Vous vous rappelez, on en a parlé en avant-match. On a dit qu'il y aura la bataille du milieu de terrain. Ben, cette bataille-là, elle a été perdue. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines par l'équipe de France, Kanté, Rabiot et Tchouaméni ont été croqués, oui, par Rodri, par Dani Almo et par Fabian Ruiz, plus malin, plus mobile, plus technique, plus offensif probablement. Après, il y a eu match dans les couloirs avec le talent incroyable de Yamal, on aura le temps de débriefer ça jusqu'au bout de la nuit, mais on a tellement dominé le monde parfois et l'Europe qu'il faut aussi se dire que lorsque vous tombez sur une équipe qui est supérieure, parce que mieux organisée, parce qu'avec un plan B, un plan C, lorsque vous avez des attaquants qui ne sont pas en forme et qu'il faut juste la fraîcheur de Barcola et des dribbles de Dembélé pour mettre le feu à l'adversaire, bah, les meilleurs ont gagné tout simplement. Et parfois il faut s'incliner parce qu'il y a plein de gamins qui nous regardent à cette heure-ci, on les salue.
Ils font des gammes dans leur club avec leur coach. On leur apprend à bien contrôler le ballon, à faire des passes. Pendant longtemps, on a raillé la possession espagnole. Non, ce n'est pas le diable. Parce que lorsqu'on a le ballon, c'est plus facile pour faire courir l'adversaire. Et ce soir, entre verticalité, talent, maîtrise et possession, bravo l'Espagne. Ce qui me gêne un peu, et j'aimerais vous entendre Philippe et Xavier, c'est que l'Espagne n'a jamais tremblé, à vrai dire, Xavier. À aucun moment, même à 1-0, je ne suis pas sûr que les Espagnols aient eu peur. Non, voilà, il y a eu des éclairs de Kylian, le démasqué, qui a essayé d'enlever cette protection nécessaire. Mais on rappelle qu'avant le tournoi, déjà, il n'était pas à 100%, il l'a dit lui-même. Et le problème, je sais que... On va débriefer des choix de Didier Deschamps, parce que ça se pose de la frilosité parfois de certains systèmes, de pourquoi pas Griezmann. On le dit depuis le début avec les suiveurs de l'équipe de France. Vous avez des attaquants, il n'y en a pas un qui est en forme, qui est bien, hormis peut-être Bradley Barcola, et qui est un jeune joueur et qui il aurait été difficile tout de suite de donner, de confier les clés du camion. Kylian Mbappé, compliqué émotionnellement, nez cassé. Antoine Griezmann à l'envers. Olivier Giroud n'y arrive plus. Kolo Muani s'éparpille, marque ce soir, mais pas toujours très très juste dans la finition. Que dire de Marcus Thuram? Kingsley Coman, on a oublié Kingsley Coman, qui était un titulaire de l'équipe de France, des problèmes physiques, il a été papa il n'y a pas longtemps. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cette équipe qu'on disait géniale, l'Europe, le monde entier nous enviait ses talents offensifs qui jouent dans les plus grands clubs, eh bien cette équipe n'était pas d'attaque en tout cas pour basculer une équipe du niveau de l'Espagne. Pas d'attaque, pas de milieu non plus, à vrai dire, parce que ce soir, il y a une vraie différence entre le milieu espagnol et le milieu français. Alors, la défense a certes réalisé une très bonne compétition, mais ça fait trop de manque. Quand même, Philippe, bien sûr. En fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes en demi-finale, l'équipe de France est en demi-finale, et c'est déjà miraculeux. Xavier vient de l'expliquer avec force détail. C'est pas complètement hasard, c'est pas complètement à cause de Didier Deschamps. Non, mais alors. Que l'équipe de France est improductive offensivement et ne sait pas faire grand-chose. Sur cet été-là, avec le ballon, voilà, on l'a tous compris. Et c'est vrai qu'au milieu, il a bien raison de le rappeler, Xavier. On parlait tout à l'heure du manque offensif pour moi des 2-8. Mais oui, encore une fois, le maître mot, c'est la technique. Techniquement, les Espagnols au milieu se sont baladés. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. En fait, la première période, avec votre impression assez juste de dire sans forcer, finalement, ils encaissent le premier but, mais au train, au talent technique, tranquillement, ils refont surface. Ils reviennent au train, c'est un terme en ce moment qui marche bien avec le Tour de France. Voilà, ils reviennent au train et ils nous doublent au train, sans même une seule fois se mettre en danseuse. Et en deuxième période, ils font quoi? Ils font 45 minutes de conservation. Voilà. Quand ils ont le ballon, ils font tourner, passe à 10. Et on n'arrive pas à les harceler, à les presser. Et ça leur suffit, en fait. Donc finalement, effectivement, le score n'est que de 2-1. Ne pas être la trop... marge est plus importante. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on soit non plus trompé par le nombre assez important quand même de situations françaises en deuxième période. Parce que globalement, les Espagnols, cette victoire... même par 2-1, c'est vrai qu'elle est assez tranquille. L'équipe de France est éliminée de l'Euro, c'est un fait, par une équipe meilleure qu'elle, l'Espagne, qui est en finale. Très bien, l'information est là. Pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, on ne va pas parler de la qualité de jeu, le manque d'émotion. Xavier Giraudon, vous êtes en direct de Munich avec nous. Ok, ce soir, ce n'est pas franchement ça qui nous manque. Si on peut parler des joueurs émoussés, en revanche, ils ont été nombreux, à vrai dire. Vous les avez cités tout à l'heure. Ne serait-ce que Kylian Mbappé en est l'exemple parfait, ou Antoine Griezmann. Pourquoi n'y a-t-il pas un problème de préparation physique à ce moment-là, de préparation à 7 euros? Alors, il y a deux cas différents. Il y a d'abord Kylian Mbappé qui arrive, qui n'est pas à 100%. On rappelle, saison compliquée avec le Paris Saint-Germain, malgré des stats trompeuses. Saison difficile émotionnellement avec ce transfert au Real Madrid et le bras de fer, il faut le dire, avec le club parisien. Vous n'arrivez pas dans les meilleures conditions. Dès les matchs de préparation avec Louis Vix et tous les suiveurs, on vous avait dit... on sentait sur des prises de balles qu'il avait besoin de retrouver des sensations, mais que ce n'était pas encore ça. Et puis patatras, il se fait casser le nez, il joue avec un masque, il déjoue avec un masque, parce que c'est le mot. Quand essayer, il l'a dit un jour, c'est comme regarder une partie en 3D avec un jeu vidéo où vous êtes spectateur et non pas acteur du match-là. Donc à partir de là, il a multiplié ce que Kylian fait lorsqu'il n'est pas bien physiquement, c'est-à-dire des passements de jambes dans le vide, des provocations espérées, une erreur du défenseur et non pas le mettre en péril. Ce soir, c'était un choix courageux, il a enlevé le masque, il s'est dit ok, si je prends un coup, de toute façon il est cassé, je finirai pas le match, mais j'essaie parce que je veux pas sortir de l'Euro comme ça. Il délivre un bijou de passe décisive quand même pour Kolo Muani. La technique est là, mais pas les jambes, il a essayé. Pour moi, et ce qui nous a marqué au stade, c'est sa dernière frappe. Normalement, Kylian Mbappé, à 10 mètres du but,
il cadre, il la met pas 3 mètres en dessus avec le corps légèrement en retrait. Quand Antoine Griezmann, et je reprends les mots de Philippe, ça fait mal au cœur. Voilà, ce qu'on a vécu, on adore tous. Quand vous aimez le foot, vous pouvez pas ne pas aimer Antoine Griezmann. On a vu quelqu'un à l'image même de sa rentrée, allez, hormis sur un centre pour Dembélé, pas dans les duels, pas dans l'impact, incapable de contrôler dans le sens du jeu. Pas de jeu court, pas de jeu long, pas bon devant, pas bon au milieu, pas bon derrière. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, je crois que dans l'absolu, c'est terrible à dire ça, mais dans l'absolu, il aurait presque fallu jouer sans ces deux joueurs. L'équipe de France a fait un tournoi à 9 sans ses deux meilleurs joueurs. Impossible à l'Euro d'aller loin quand vos stars ne sont pas là. Bien sûr, Xavier, ça on est tout à fait d'accord. Il aurait peut-être fallu ne pas faire entrer Griezmann vu le résultat ce soir et faire sortir Kylian Mbappé. D'ailleurs, c'est la question qu'on peut se poser. Mais sur, j'ai du mal à croire que Griezmann, d'un coup, qui fait une saison entière avec l'Atlético de Madrid, se retrouve là avec plus de jus pour la fin de sa carrière. Mais on a tous du mal à le croire, parce que c'est par définition totalement inattendu. Si un joueur qui court pour 4 depuis 10 ans, c'est Griezmann. Alors, et tout d'un coup, là, à l'été 2024, il a plus de jambes. Il va s'arrêter d'un coup. Bah, j'ai du mal à y croire. En tout cas, on est bien obligé de le croire. On le voit, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Didier Deschamps. Mais Griezmann, alors pour le coup, Griezmann, je pense que c'est simple. Il n'a pas eu de chance. Vous savez, on parle souvent de la forme du moment dans une compétition majeure. On ne le savait pas, peut-être que lui-même ne le savait pas, il est arrivé complètement cramé. Didier Deschamps, il y a quelques minutes sur TF1, on avait peut-être un peu moins de jus, de fraîcheur, ce qui a amené trop de déchets techniques dans la construction du jeu. Je vous ai sélectionné qu'une seule phrase, mais elle résume sans doute les 90 minutes que nous avons suivies. Je suis content d'entendre le mot déchets techniques, parce que franchement... Vous avez vu quoi d'autre, Philippe? Moi je le dis depuis le tout premier match sur ce plateau. Techniquement, on n'est pas au même niveau que d'autres nations. Seulement l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, même le Portugal. Ça n'explique pas tout, la technique. Attention, je ne veux pas faire une fixette là-dessus. Mais là, c'est tellement flagrant. Je veux dire, nos occasions soi-disant ratées, notre manque d'efficacité, le dernier geste et tout ça. Mais c'est quoi si c'est autre chose que de la technique? Donc c'est furieusement important. Et la technique, nous la voyons où? Nous la cherchons où? Souvent au milieu de terrain. Le dernier geste qui manque encore désespérément de précision, soit tout simplement dans l'élaboration, un manque de qualité technique qui fait qu'on ne trouve pas le liant. À noter l'entrée de Griezmann à l'heure de jeu, triple changement des champs. Et cette fois, malheureusement, on en a une confirmation définitive. Nos deux moteurs, que sont Mbappé et Griezmann, étaient bel et bien en panne durant cet Euro, ce qui fait que l'avion français, il ne peut pas décoller. Il est allé jusqu'en demi-finale par certains concours de circonstances, des matchs très serrés, prolongation, tir au but, mais cette fois-ci, l'adversaire était bien trop fort. Jusqu'ici, il a pu vraiment s'exprimer tranquillement, le fond de jeu, l'absence de spectacle, pas de problème, regardez autre chose, c'était les mots du sélectionneur. Maintenant que vous êtes éliminé, j'aimerais bien comprendre ce qui a pu se passer. Parce que ce soir, que s'est-il passé, Philippe? Pas grand-chose, à vrai dire. J'ai l'impression que vous l'attendez au tournant, Nicolas. Pas du tout, mais ce soir... Tiens. L'équipe de France se fait sortir par l'Espagne. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débriefer le match de Espagne-France. Victoire de l'Espagne, 2-1. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, les Bleus s'inclinent devant l'Espagne, la Roja, qui est pour moi la meilleure équipe du tournoi en termes de jeu. Franchement, ce que l'Espagne a démontré là, c'est impressionnant. Pas son joyau, Lamine Yamal, les amis. Il a vraiment sorti un bijou, mais on va y revenir sur le joueur. Déjà, on va commencer par la composition de Deschamps. Deschamps, il a mis une composition quasiment attendue, puisque enchaîné, tout le monde connaissait déjà la chaîne de Deschamps. Tout le monde connaissait déjà sa chaîne centrale. Le milieu, il y avait un peu d'interrogations, notamment on ne sait pas trop si Kamavinga devait prendre la place de Rabiot, si Antoine Griezmann devait jouer, etc. Sauf que Deschamps, il a fait sortir Antoine Griezmann du 11. Il a préféré mettre les flèches devant, à l'occurrence Kylian Mbappé, Kolo Muani et Ousmane Dembélé. Moi, je pense que
vu comment l'Espagne joue, pour moi c'est un peu logique. Beaucoup souhaiteraient voir Olivier Giroud, mais on a vu Olivier Giroud, les amis, il n'a rien apporté. Lorsqu'il est entré, il n'a rien apporté. Ce genre de match n'est pas fait pour Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est un garçon qui aime les centres. Pourtant, l'Espagne joue la possession. Forcément, tu vas jouer en contre. Et jouer lent. Giroud est lent. Giroud, ce n'est pas vraiment le type de jeu qui sera capable de prendre la profondeur. Donc, moi, je n'ai pas été surpris de voir la composition de Deschamps avec un Colomani pour prendre la vitesse. Les choses ont plutôt bien commencé pour les Bleus. 9e minute, ce Colomani, il ouvre la marque. Il ouvre la marque. Et je vous avoue que lorsque moi, je vois l'ouverture du score, je me dis, voilà, c'est le scénario idéal pour l'équipe de France. Tu mènes 1-0, tu as tes flèches, tu vas faire contrer, tu vas vraiment punir les Espagnols. Sauf que 12 minutes plus tard, l'Espagne revient. 12 minutes plus tard, les amis. Notamment pas le bijou de Lamine Yamal, les gars. Il a vraiment sorti un bijou. Un bijou où beaucoup accusent la défense des Bleus, mais est-ce que la défense peut vraiment se reprocher grand-chose de là? Puisque si tu sors trop, Lamine Yamal, il a tellement une qualité de passe. Il peut te sortir une passe vraiment qui sort de l'ordinaire. C'est du recul et frappe. Donc, c'est un garçon qui a vraiment une grosse vision de jeu. Et il n'a que 16 ans. Évidemment, l'âge ne compte pas trop dans le foot, mais c'est bien à préciser. Il n'a que 16 ans, les amis. Il n'a que 16 ans. Il commence déjà à faire de grosses différences. Donc, 12 minutes plus tard, après l'ouverture de Colomani, Lamine Yamal, il égalise. Ça fait un but partout. Et 4 minutes après le but de Lamine Yamal, c'est Dani Olmo qui met le 2 buts à 1. Et lorsque moi j'ai vu le 2 buts à 1, je me posais la question comment l'équipe de France va faire pour revenir, puisque l'équipe de France était sur 3 buts, 3 buts je pense en 4 ou 5 matchs, 3 buts marqués. Et on se posait la question comment ils vont faire pour marquer jusqu'à 2 buts pour gagner le match. Ça me paraissait très très compliqué. En deuxième période, l'Espagne a essayé d'enlever le pied sur l'accélérateur. L'équipe de France a essayé de pousser pour revenir, mais il n'y avait pas vraiment d'occasion franche. Sauf peut-être le tir de Théo Hernandez et la frappe de Kylian Mbappé qui passe dans les nuages. Bref, l'équipe de France n'a pas vraiment proposé grand-chose dans ce match, les amis. Il n'y a pas vraiment eu grand-chose dans ce match. En revanche, même l'Espagne n'a pas vraiment trop poussé. L'Espagne n'a pas vraiment joué à 100%. Ils ont peut-être joué à 70%. Même une équipe d'Espagne à 70% bat l'équipe de France. Puisque lorsque tu regardes les occasions, l'Espagne, c'est seulement 2 tirs cadrés. 6 tirs pour 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc, ils ont eu l'efficacité maximale. Ils n'ont pas vraiment tout donné pour gagner les buts, les gars. Même quand tu regardes la position, ce n'est pas une position écrasante. Donc, moi, je pense que les Bleus peuvent avoir des regrets. Ils peuvent vraiment avoir des regrets. Vu le matos que tu as, tu dois beaucoup en faire. Mais tu ne dois pas seulement compter sur le talent de Kylian Mbappé ou alors le talent de Antoine Griezmann qui a été carbonisé. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à cette rencontre. Moi, je pense que l'Espagne n'a pas eu à force pour gagner l'équipe de France. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. De toute façon, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.